أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. On va commencer avec moi, سيدنا موسى عليه السلام. قال و donc le verset qui nous intéresse est ولتصنع على عيني. Avant, وَأَلْقَيْتُ. Chef, il n'est pas permanent ce feu. Alors, white bolt. أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ. L'imam Saïd Khot, il a dit وَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي. عَلَى عَيْنِي. Tu es élevé, c'est traduit élevé, sous mon œil. L'imam, c'est trop. C'est incroyable. Il a dit quoi? Ala aïni, ala aïni Pharaon. Regardez comment il a traduit ça. Aïni chez Pharaon. Ça explique tout. Dieu était chez Pharaon. Allah est dans l'épreuve. Dans le château de Pharaon. Au cœur de l'épreuve. Au centre de l'épreuve, il y avait Dieu. Pharaon voyait Moïse, les soldats de Pharaon voyait Moussa, mais il était protégé. Par quoi? Par l'amour. Dans l'épreuve, tu reçois une couverture. Non, c'est pas la protection comme on comprend. Une couverture d'amour. Il est ahabba Allah wa abdan ibtala. Donc, l'épreuve. Le cœur, ici, c'est une épreuve. On peut en dire épreuve comme ça. Imagine une image. Hein. L'extérieur, ici, amour. Ici, c'est épreuve. Et ça, c'est le cœur ou bien l'état du saint, du bien-aimé, bien éprouvé, bien-aimé. Vous allez dire que les personnes qui ne sont pas éprouvées, ne sont pas aimées? Non. C'est un degré. On parle ici de l'excellence. On parle tous les croyants, tous les musulmans, Inch'Allah, iront au paradis, iront une place au paradis. Mais là, on parle, Seigneur, des saints, la sainteté. Ici, on a les prophètes, les véridiques, on est là. Les saints, les martyrs, on parle de la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'entourage du Seigneur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Le musulman, celui qui dit « La ilaha illallah » entrera au paradis. Mais l'épreuve, c'est pour l'élite. C'est ça la différence. Les éprouvés sont les meilleurs. Les plus éprouvés, c'est encore
vraiment. Hein? L'élite de l'élite, c'est les prophètes. Les plus éprouvés sont les prophètes. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, le degré de l'amour dépend de l'épreuve. Des fois, chef, moi, la question que je me pose, souvent l'épreuve, elle vient pour nous réveiller et nous rapprocher d'Allah. Mais les prophètes, ils ont déjà ce statut très proche de Dieu. Des fois, j'ai eu du mal à comprendre la sagesse derrière tout ça. Quand je vois l'année de la tristesse pour le prophète Salem, j'ai eu du mal à comprendre le schéma divin. Très bien. Alors, ici, c'est une question de degré. Par l'épreuve, les prophètes grimpent les degrés. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam provoquait, entre guillemets, une épreuve dans la prière de nuit. Il priait plus, alors que tous ses péchés sont pardonnés, antérieurs et futurs. Il lui a posé afin que je serai un serviteur reconnaissant. Et on a dit, la reconnaissance, c'est pour grimper. Parce que tu dis, alhamdoulilah, Allah te donnera plus de connaissances. Et donc, l'épreuve, la prière de nuit, c'est une difficulté. À travers la difficulté, Sayyidina Muhammad s'en somme chercher l'élévation. Donc, si tu veux vous donner un jour en arabe, est-ce que j'ai marqué, vous avez reçu, je crois, le... En arabe, en français. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Alors ici, après toi, j'ai jeté. J'ai répandu sur toi. J'ai répandu, c'est important. J'ai répondu. Sur toi une affection comme tu as dit Samira, si tu adores Allah par amour, si tu adores Allah par amour, c'est bon, tu vas recevoir tout, tu vas pas avoir peur, tu vas pas être attaché à la dunya. Tu ne vas pas avoir peur de la dunya. Attraché à la dunya, pourquoi? Parce que si je ne travaille pas, je ne mange pas, je vais mourir de faim. Mais si tu as l'amour d'Allah, ça sera autre chose. Tu es dans l'amour, tu ne sens pas la faim, tu ne sens rien. Attention, après on va parler. Ça veut dire quoi éprouver? Ça veut dire quoi éprouver? On pense que l'éprouvé, c'est les saints, ils pleurent chaque matin, soit par souffrance. Hein. Alors, j'ai donc, répondu sur toi une affection. Un amour, hein. Une habit. Oui. Vas-y. De ma part. Ah, c'est différent, hein. Attention. La haba Allah aime tous les serviteurs, tous les musulmans sont aimés par Allah. Mais là, c'est une épreuve spéciale pour une personne spéciale et qui est recouvert par un amour spécial de ma part. Hein? Exclusif. Hein? Vous voyez ici? L'épreuve est spéciale, la personne est spéciale et aussi l'amour est exclusif. Une affection de ma part. Ça c'est une science de notre part. Toujours quand tu trouves de ma part, c'est vraiment c'est quelque chose de très belle, merveilleuse. Toujours. Hein, spécial. Un privilège, un honneur. Seulement l'éprouvé peut
la connaître. Sayyidina Ibrahim, au cœur de l'épreuve, il a dit quoi? Les meilleurs jours de ma vie, c'était les jours du feu. Bardan wa salam. Le feu s'est transformé à une paix et un fraîcheur. Oui. Alors, une affection de ma part. Afin que tu sois oui. Élevé sous mon nom. Après, on va voir le verset concernant Sayyidina Muhammad, c'est encore plus profond. Que tu sois élevé sous mon œil, c'est comme si mon œil, c'était aussi le fait de veiller sur lui. Je vais être là et je vais veiller sur toi dans toutes les étapes de cette histoire. Alors comment sous mon œil, comment tu l'as compris Surveillance. Tout ça, il faut lier cette bienveillance parce que ça c'est en nous. Tout ça c'est lié à l'amour. C'est par l'amour, c'est dans l'amour que court la bienveillance, la protection. C'est lui qui nuit à un de mes alliés, je déclare la guerre contre lui. Mais c'est qui l'allié? C'est celui qui a mérité l'amour d'Allah Azzawajal. Donc, c'est l'amour qui te défendra, l'amour d'Allah. Ou Allah te défendra à travers cet amour. Ça me fait penser à ce que vous avez dit là pour Yves. Oui. Mais vraiment dans l'épreuve, dans sa terminale, il voit la beauté partout. Partout. Exactement. C'est extraordinaire de penser, c'est-à-dire au moment où vous avez dit, voilà, de voir la beauté, donc ça veut dire effectivement, il est complètement dans cet amour. Alors, ici, tu veux dire. Transformation. Dans l'épreuve, il a dit en plus, après la deuxième opération, lorsque vraiment la souffrance a commencé, parce qu'il n'y a plus de chignon, il n'y a rien, toutes ces portes se sont ouvertes au monde. Donc l'amour aussi, la bienveillance, Aïni, moi, les yeux de Sayyidina Moussa se sont ouvertes grâce à cette épreuve. Vous voyez, ce n'est pas une utilisation de Aïn. Elle fait Tihalima Orlika. Donc par l'épreuve, les yeux du cœur s'ouvrent pour voir la réalité. J'ai vu la réalité, l'amour dans mon cœur augmente. Donc, et si l'amour augmente, mon rang augmente, suit aussi. Et voilà l'élévation. Subhanallah, c'est élevé. Sous mes yeux, il y a beaucoup de beauté. En réalité, vous voyez, c'est les yeux de Sayyidina Moussa qui voient mieux, plus clair, hein, comme on a vu à ça. Et grâce à cette contemplation, il grimpe. C'est comme un enfant qui va tomber sous les yeux de sa maman. Quand il va tomber, le premier réflexe qu'il va faire, c'est de chercher les regards de ses parents. Oui. Et le parent, par son regard, il va le rassurer. Ça va. Oui. C'est très... Alors, la bienveillance ici, être rassuré. Donc, est-ce que vous voyez la réciprocité ici? Dieu voit. Allah voit Sayyidina Moussa. Mais grâce à ce regard, c'est Sayyidina Moussa content que tu sais. Voilà, c'est Sayyidina Moussa content.
mais ce regard est grâce à cette épreuve, toujours. C'est par l'épreuve. Je ne sais pas où se met l'épreuve, mais il est là. Est-ce que vous voyez cette beauté? Donc l'épreuve, elle fait quoi? Elle a fait quoi pour Faustina? Elle a dit quoi? Les voiles tombent. Et il a dit quoi? Je vois plus clair. Donc l'épreuve permet aux éprouvés de contempler et tomber des voiles et permettra aux éprouvés de contempler la beauté d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le regard généreux d'Allah Azza wa Jal. Donc l'épreuve est une générosité. Allah le voit avec l'œil de la compassion. Et lorsque, la compassion est dans l'épreuve ici, et grâce à l'épreuve. Ici, l'épreuve est une compassion. Pourquoi? Parce qu'elle va faire tomber les voiles et me permettra de contempler. Ça, c'est le regard d'Allah Azza wa Jal. Jeté sur la personne éprouvée. Ou bien choisi pour une épreuve. Pour vivre une épreuve. Après, une fois que tu as mérité l'amour d'Allah, tu deviens parmi les siens, on dit les siens, parmi les siens d'Allah, parmi ses proches. Tu appartiens à Allah. Tu deviens, nous appartenons tous, mais c'est ici question de privilège toujours. Comme la maison d'Allah. Tu deviens le serviteur d'Allah. Est-ce que c'est clair? Et là, il n'y a personne qui va te faire du mal. Ou oser se rapprocher de toi pour te faire du mal. Donc ici, l'épreuve, selon, bien sûr, le degré, les voiles, la quantité des voiles, dépend de l'intensité de l'effort. Lorsque Faustina a dit le voile tombe, les derniers voiles, peut-être, pour arriver à son degré. Après, elle a dit, tu vas voir les choses selon ton degré aussi. Donc, elle a une station à atteindre, et grâce à ces épreuves, à cette épreuve, elle a accéléré la course vers ce rang. D'accord? Donc, ces épreuves, nos épreuves sont aussi des élévations. Mais même Faustina, elle a toujours été sereine dans cette épreuve, elle a toujours été souriante, elle n'a jamais été paniquée. Alors, en réalité, comme tu as dit, 15 ans, c'était une épreuve de notre point de vue, peut-être, mais pas du sien. L'épreuve, alors, si j'imagine, nous sommes tous, alhamdoulilah, éprouvés. C'est grâce à ces épreuves, il y a des voiles qui tombent. On ne voit pas ces voiles. Et des fois, Allah se cache, parce que Allah parmi les noms d'Allah le cachait. Il ne veut pas te montrer ton degré.
Et ça, c'est une épreuve aussi. Donc, tu as atteint un niveau très haut, en réalité. Mais il ne veut pas te montrer ton niveau. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a peur que tu te vantes. Et tu arrêtes le cheminement vers lui. Donc, ça alimente, ça fait monter l'ego. Voilà. Il a peur pour toi. On a dit élévation. Ici, c'est Allah, pour Allah, l'exemple de ce film, c'est lui, l'éducateur. Il éduque nos âmes. Donc, des fois, et de temps en temps, tu vois ton degré. Oh, mashallah, je suis là. Après, non, subhanallah, c'est pas moi. J'ai fait un péché, c'est une épreuve. Donc, subhanallah, on ne voit pas l'intervention divine, nous, dans notre vie, à travers les épreuves. Mais en réalité, c'est le meilleur bienfait d'Allah, Azzajal, c'est l'épreuve. Il sait très bien comment nous élever, nous éduquer. C'est lui qui sait comment. Il ne faut pas chercher les épreuves. Non, il ne faut pas chercher. Non, non. Et attention, il ne faut pas chercher, mais tu n'as pas le choix. Oui, mais c'est ça. On n'a pas de choix. Non, il n'y a pas de choix. Elles viennent, c'est un cadeau. Le dernier cadeau, il vient d'une manière insoupçonnée. Et on ne peut pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Mais c'est... Il a ahab Allah wa abdan ibtala. Wa alqaytu alayka mahabbatan. Mini, on est tous nés à la haine. Qui est tous nés à la haine ici? Être élevé sur monnaie. Tu as jeté l'enfant dans le Nil. Tu l'as séparé de sa mère. Mais il était bien nourri. Hein? Il était bien allaité. Attends. Allaité par deux choses, spirituellement et physiquement. Hein? Par le lait de sa mère. Et par l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il est bien protégé, il est bien nourri par cet amour dès le début. Donc, si tu vois l'épreuve de Sayyidina Moussa à cette phase, alors regarde Kanza, le début, comment il a vécu Sayyidina Moussa avant de. Regarde les versets. Là, l'imam Saïd Khoutou, il a dit quelle brutalité, quelle violence. Il est magnifique cet homme. Comment il a osé parler comme ça de l'ac de Dieu. De l'extérieur, c'est violent. Il n'a pas dit mets-le dans un verre, dans. C'est un coffret, on dit. Un couffin. Un couffin, un couffin, un panier. Couffin, c'est bien coffret. C'est marqué quoi? Que je remonte parce que c'est pas assez en haut de la page, c'était la page d'avant. Ah, d'accord. C'est marqué ici, le coffret. Dans un coffret, hein, pas le mettre, jette-le. Comme ça. Mmh. Imagine un bébé, deux ans. Tu le jettes comme ça. Un iqvifihi. Iqvifihi, c'est jeter. Qadhafa, c'est comme un ballon. Vous savez, je il y a eu un dessin animé, qui s'appelle Le Prince d'Égypte, qui a été fait par DreamWorks. Oui. Et je le regardais en boucle et en boucle quand j'étais petite, et on voit cette image du bébé dans le Nil et des crocodiles qui se bousculent, et il est toujours épargné, et ça m'a marqué depuis que je suis petite. Il est très bien réalisé, ce film, ce film. Et l'image est très forte. Le Nil est vraiment agité, mais le perso, il arrive paisiblement après, jusqu'aux portes du palais. C'est joli, hein? Oui. Alors, ça, c'est le fleuve. Hein? Après, on va voir. Il y a tout dans cette image. Le premier, c'est il était jeté. Un enfant de 2 ans, peut-être. Hein? Donc, presque un nouveau-né. Non, il va être moins de 2 ans. Moins. Parce qu'il était allaité. Allaité, donc. Donc, on l'a rendu à sa mère pour qu'il continue à l'allaiter.
seulement comme peut-être quelques mois. Quelques mois. Oui, oui, c'est quelques mois, parce que il tuait tous les enfants. Oui, c'est ça, les noms. Quelques mois jetés dans le coffret, là. Le coffret. Mais le coffret, il était en dehors de l'île, donc il était là. Jette-le dans le... Pourquoi jeter? Hein? Ça, c'est la première. Après, prends le coffret et jette-le aussi. Mais rien que ça, ça montre le degré aussi de sa maman, la confiance, son bébé. Détache. Détache-toi. Qui pourrait le faire aujourd'hui? Détache-toi de la matérialité, du monde visible. Sors de cette connotation. Ah, violence. Ah, le discours de ce bas monde qui nous voile et voile lui des cœurs. Ah, ça ne se fait pas, pourquoi tu ne fais pas ça, hein? Oui, c'est vrai. Oui, vous entendez le droit de l'homme, vous enfants, pas, vous avez... Voilà, vous avez pensé à ça. C'est une violence, effectivement. Tu es un enfant aussi avec Khidr Ali Salem, c'est sauvage. Quel mec, regardez dans le Coran. La brutalité de la mère de Moïse, c'est quoi cette religion de violence? Oui, tout ça, c'est juste la facette. C'est la façade. Mais derrière, il y a un jardin. Alors, jeté, après, le coffret lui-même était jeté où? Dans la mort, certaine, assurée, n'est-ce pas? La mort sûre. Le Nil, moi, j'arrive pas, je n'ose pas me jeter dans le plonger dans le Nil. Je sais, mais il y a les crocodiles. Il y a le courant, mais je connais des gens qui sont décédés dans le Nil. Le courant de c'est une eau trouble en plus, c'est pas une eau limpide. Oui, non, c'est pas clair comme la mer. Non, c'est il y a l'inconnu. C'est du sable, c'est comme de la terre. Oui. Tu vois de la terre jaune. Oh, ça fait peur, c'est pas vraiment pour, ce n'est pas fait pour le coffin, il peut se retourner. Alors imaginez les risques dans ce voyage. C'est le premier voyage de Saïdna Moussa. C'est le premier voyage de sa vie, n'est-ce pas? Oui. Plein de catastrophe, plein d'épreuves, plein de violences, plein de sécheresse. Ma mère m'a abandonné, hein, dans le ciel. Ah oui, le subconscient. Bon, c'est vrai, elle l'a allaité, ça aussi. Alors, jeté, après, le coffret est jeté dans le lit. Le Nil, c'est le danger, pluriel, hein? Crocodile, vent, des voleurs, je ne sais pas, les soldats aussi, il y a les soldats qui peuvent à tout moment vérifier. C'est quoi ce coffret qui est, hein? Donc, plusieurs dangers. Et le danger ultime, c'est quoi? Il n'a pas dit Pharaon, Allah. Mon ennemi et son ennemi. Donc, il est tout de suite du côté d'Allah, enfin, dans son camp, en fait, de base. Il est à peine un nouveau-né, mais ça y est, il est déjà dans le camp d'Allah. Voilà. C'est ça. Si Allah veut façonner, Stosna, c'est façonner. Si Dieu veut façonner quelqu'un sous son œil, il le met sous épreuve. Si un homme normal, il saura façonner, vivre une vie normale. Mais si tu veux être façonné, modelé par les mains d'Allah, vraiment, la première création, hein, c'est la création par les mains d'Allah, c'est la physique, c'était la création, notre création à travers Sayyidina Adam, mais la deuxième création spirituelle, c'est par les épreuves. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est un tel, Samira, spirituel, c'est les épreuves qui vont tailler.
Notre pierre ou notre. Qu'est-ce que c'est que la différence entre une pierre taillée, bien sculptée, hein, et une pierre, voilà, jolie aussi. Mais là, c'est qui le sculpteur? Alors imaginez la beauté de, comment on dit, la sculpte. La sculpture. La sculpture. Donc, du coup, vous n'êtes pas égaux dans ce cas. Hein? C'est oui. Ça, non? Alors. C'est là, donc on répond à un dessein divin. Et, alors, et du coup, ici, ça veut dire que c'est fini l'ego. On n'est pas dans l'ego. Non, 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 j'ai dit pas l'ego, mais ego, plus par rapport à. Ça, c'est les voiles de l'ego. Il y a plusieurs formes de voiles. Ça, c'est les voiles ténébreux. D'accord? Ça, c'est le début de la naissance spirituelle. On dit façonnement. Il n'y a pas de mot. Façonnage. Parce que tous n'a façonné. Vous êtes d'accord? Façonné. Voilà. Ça, c'est, là, on trouve l'ego, on trouve l'attachement à la matérialité, tout ça. Ça, c'est pour l'homme ordinaire. Commence à traverser. Il les voit tombent. L'ego. Tout ce que mentionné l'imam ici. La jalousie, la colère, la rancune, l'orgueil, tout ça. Ça, c'est pour l'homme lambda. L'homme. Oui. D'accord. Après, ça commence de une autre étape. C'est le voile lumineux. Ici, il y a la source. On a parlé de ça, vous voyez. C'est vrai que quand tu regardes d'un point de vue, en plus, c'est très. On dit tout le temps, ça peut laisser des séquelles à un bébé d'être coupé de sa maman pendant une si longue période. Il y a plein de facteurs, mais tant qu'on est sous l'œil, on est là, on n'est pas touché. Pas d'attachement. Et pas de soucis, pas de ma mère, oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas imaginer comment ça est de l'amour, ça aime. C'est l'amour, le juste, l'amour équilibré. De l'excès, des fois, ou bien de la sécheresse, l'oralme. Là, c'est grâce à la source que tu vas comprendre. Ici, les voiles, on trouve le bas monde, ce bas monde. Quand on dit d'un moment l'excès, hein, toujours. L'excès des passions, l'excès d'émotions, l'excès, tout ça, c'est ici. Après, c'est fini, tu commences à grimper dans le degré de la connaissance, le voile de connaissance. Comme Saïd Ibrahim, tu te rappelles, l'astre, la lune, le soleil. Mais ça, c'est les trois derniers voiles. Attention, Saïd Ibrahim. Michel, est-ce qu'on sait si Moussa il a été réuni, pour ça qu'il a été réuni avec sa sœur, Sa mère, oui, après, oui. Après le voyage à travers le désert de Sinaï, le retour de Madian. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc les épreuves, on est peut-être là, je ne sais pas, chacun. Mais tout le monde s'est éprouvé pour arriver à une station. Chacun a une station par rapport à Dieu. Auprès d'Allah. Chacun a une station bien définie, bien déterminée. Donc à travers les épreuves, à travers. Mais la vie, c'est aussi. Chaque jour, il y a des épreuves, si vous avez remarqué. Tu grimpes et tu avances. Ça, c'est la deuxième naissance. C'est la naissance spirituelle de Moussa. Là, déjà, on était là. C'est les trois prophètes, c'est un prophète choisi. Donc, il a commencé à connaître Dieu
dans ce voyage. Ça, c'est l'école primaire, l'enfance, hein. C'est la garderie, tout ça. Mais là, c'est déjà dans la prophétie, on est dans la prophétie. Si je vous recommande, on va ici, c'est presque là, hein. C'est tout près de... Est-ce que c'est clair ici? Si on revoit l'histoire de Seigneur Moussa, même si voilà, donc il était protégé par Allah et qu'il y avait ses voiles ténébreuses, ils n'avaient pas, quand même, il y avait l'épisode de la colère lorsqu'il a tué quelqu'un. Ça, c'est pour Allah. Il n'a pas fait ça pour lui-même. C'était pour. Révolté par l'injustice. Il n'y a pas d'ego. Ça, c'est. Ces voiles ne sont pas connues chez lui. C'est aussi, tout ça s'était enlevé par l'orphelinat de Saddam Mohammed à travers l'ouverture de la poitrine. Vous voyez? C'est comme nous, enfin, on a l'ordre, si on est témoin d'une injustice, d'agir. Bien sûr. Les instincts des prophètes sont là, sont dans la lumière, sont enveloppés par la lumière, orientés vers Allah. Mais en plus, ce prénom-là, c'était l'élément déclencheur pour son exil, en fait. Oui. Donc, tout avait une sagesse dans les événements. Bien sûr, bien sûr. Alors ici, Sayyidina Moussa a commencé à connaître Allah à travers ce voyage. La connaissance d'Allah Azzawajal chez Sayyidina Moussa, bien sûr, ça c'est le jeu. Je parle de Sayyidina Moussa, mais nous aussi, la même chose, c'était grâce à Pharaon, grâce à cette épreuve, grâce à son ennemi, grâce à ce danger. Vraiment le danger ici, hein, avait grandi. C'est la mort sûre, il n'y a pas de... Il est chez lui. Mais en réalité, il était chez Allah. Il était enveloppé par l'amour, la protection d'Allah. Azza wa Jalla. Là, en plus, je me faisais la réflexion quand j'étais dans les musées en Angleterre, on peut voir très bien les momies. Mais subhanallah, jusqu'à aujourd'hui, on a les preuves visibles de ça, à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, pour se rendre compte qu'on a tout. Subhanallah. Dieu a immortalisé ces tyrans pour nous avertir. Alors, qu'est-ce que vous voyez encore dans ce... Donc, en réalité, si tu compares, moi j'ai fait comme ça, je vois parce que je suis faible. En réalité, c'est... Tout ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le prof. Et même, je crois, c'est plus infime qu'un atome. Selon le degré de l'amour, hein, tu ressens l'épreuve. Si l'amour augmente, la souffrance diminue. Comme on dit, dépend. L'intensité ici, l'intensité. Nous
la souffrance ici, hein? Parce que dans l'épreuve, il y a une souffrance. Il ne faut pas me dire qu'il n'existe pas. Donc, lorsque l'intensité de l'amour augmente, l'intensité de la souffrance descend. Pour nous, c'est vraiment violent, c'est ça. Subhanallah, c'est à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a la compréhension de cette épreuve. On comprend. Oui. Là, tu vas comprendre, dans l'épreuve, tu veux dire. Oui, quand l'amour augmente et l'intensité baisse, oui. À ce moment-là, on commence à comprendre cette épreuve, pourquoi elle voilà, est arrivée. Voilà, exactement. Mais des fois, l'amour est petit, donc il enlève quand même un peu de souffrance, mais pas assez. Ça reste. La souffrance, bien sûr, et si c'est à cause de l'attachement à la dunya. Ou le malheur. Le malheur, c'est quoi? La définition du malheur sur cette terre. L'éloignement d'Allah, de la source. Ok. C'est les épreuves qui nous aident à gagner la sainteté et la proximité de Dieu. C'est un moyen éducatif, si je peux. Ou bien, c'est un moyen, c'est un élévateur. L'épreuve, c'est un élévateur. Si on prend la métaphore de cette histoire, oui. Est-ce qu'on est tout être qui naît avec cette affection de la part d'Allah, on est né sur la fécularité. Et plus on grandit, plus notre ego est grandi, et puis ça représente cette superpuissance qui n'a plus besoin d'Allah, et puis c'est nous aussi. C'est-à-dire, au départ, on est sur la fécula, on est dans cette éminence, on est cœur pur et tout ça, et puis d'un coup, plus on prend conscience de notre ego, notre puissance, notre part, oui. on se détourne d'Allah. Et puis du coup, on se détache. Et puis du coup, ça c'est juste. On devient. Et c'est, je crois que c'est ce combat-là. C'est-à-dire, rappelle-toi que t'es couvert par cette affection. C'est juste. C'est juste. Donc les voiles ici, c'est Pharaon, tu veux dire. Les voiles, c'est Pharaon. C'est l'ego, c'est l'ego. C'est l'ignorance. Moi, Pharaon, c'est cette superposition, cet ego, cette. Et au point auquel on arrive, effectivement, parce que quand il y a Bura Ashabda. Donc, la grâce divine ici, l'amour d'Allah se manifeste dans la rencontre de l'ego, dans la connaître de soi-même. Là, il a vu Pharaon, il a vu les ténèbres. C'est ça. Nous aussi, lorsque tu vois tes défauts, là, tu as commencé vraiment les choses. Et ce moment-là, c'est souvent dans les épreuves qu'on se considère comme rien du tout. Vraiment, on se rabaisse et qu'on perd cette confiance en soi. Vraiment, ça casse tout cet ego. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une image très très forte. Donc, la vie, c'est quoi? C'est un voyage dans les épreuves, à travers les épreuves, vers Allah. C'est ça le fleuve. Le fleuve, c'est la vie. À travers la connaissance de soi-même, connaître ses défauts. Hein. Mais c'est pénible là, de voir cette laideur en nous, voir Pharaon qui est en nous. Chacun a un petit Pharaon en lui.
C'est intéressant avec l'image du Nil, le fleuve qui trouble, que tu ne vois pas. Ce n'est pas une vision infinie dont tu peux voir les intérieurs et les fonds. C'est-à-dire que c'est. L'inconnu. Inconnu. Le danger est terrifiant. Est-ce qu'il n'y a que toi qui peux. Parce que de l'extérieur, on ne peut rien voir. C'est que toi. Et c'est un voyage extraordinaire. C'est par la lumière de Dieu que tu peux voir. Il y a les tempêtes aussi, hein. Il y a le vent, il y a tout. Qui peut. Les dangers ici sont du ciel et de la terre. Donc tu as besoin de cette lumière pour voir. Pour voir. Donc dans l'amour de Dieu ici, on peut aussi en même temps, voir la lumière du cœur. Donc les épreuves, lorsque le voile tombe, la clairvoyance augmente. On a vu l'intensité de l'amour, la lumière du cœur. Aïe, tu vas voir plus clair, comme on a dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ici? Donc, tout être humain est vie. Grâce à l'élévation de son Seigneur, mais à des degrés. Rabbul Alami, c'est lui qui élève les mondes, les animaux, les personnes, tout ça, spirituellement, physiquement, tout, grâce à Allah Azzawajal. Toute cette élévation, c'est grâce à Allah Azzawajal. Nous dépendons de Dieu et nous vivons, nous survivons grâce à Dieu. Mais à des degrés. Là, la vie de Sayyidina Moussa, ou bien le degré de Sayyidina Moussa, est très, très élevé. Donc l'élévation, elle est spéciale aussi. Et l'éducation, son éducation était spéciale. Et lorsque l'éducation est spéciale, on commence par le jeter dans l'épreuve dès la naissance. Il sera protégé des altérités. D'accord. Nous, on va rester toujours sur les rivages ici. Le rivage chez Sayyidina Moussa, c'est Pharaon. Le repos, c'est Pharaon. Donc encore pire. Il n'y a pas de repos. Pas de repos. Chez les saints, il n'y a pas de repos. Des fois, quand il y a tout qui va trop bien, je m'attends des fois à ce qu'il y ait quelque chose qui. C'est une grâce d'Allah. Pas de repos. Tu ne dors pas. Pas de vacances, on a dit. Les vacances augmentent la faiblesse d'esprit. L'idiotie. Prouvez scientifiquement. On va s'arrêter là.